Jovenel Moïse sont des vagabonds qui ont marché pour faire des ordres. Jovenel Moïse sont des vagabonds qui ont fait des ordres. Vous avez un petit vagabond, son petit vagabond, son petit volet qui a fait des ordres. Jovenel Moïse n'est plus président de la République. Au regard de la Constitution, au regard des lois de la République et surtout au regard de la résolution du pouvoir judiciaire haïtien. Son petit vagabond qui a fait des ordres, son petit malandré qui a fait des ordres et n'importe qui qui a foutu un soufflet dans le jolie. Pendant ma parole là, et c'est l'avocat qui parle avec conviction. C'est comme son petit vacabond volant bagaille, mon nom fout l'en calotte dans le jolie. Monsieur le président. Oui, monsieur le président. Son petit vacabond qui a fait des ordres. Et ça dérange en pile. Le moun dans la police, Léon Charles, a arrêté moun, a fait répression pour faire Jovenel Moïse plaisir. C'est comme si m'kadou et ça vous pas comprendre rôle yo. En principe, c'est Léon Charles, c'est pas ton malpropreté, je dispose à arrêter Jovenel Moïse à midi. N'importe chef la police qui gagne en figure, qui compte ça veut dire l'état de droit, qui compte comment l'état fonctionne, qui compte ça veut dire la justice, n'importe chef la police qui gagne minimum à midi, jeudi à la 7 février 2021, il t'a fout maintenant encore les Jovenel Moïse, il t'a fout arrêter, il fout l'autre côté. Au lieu de faire ça, pour le passer très grand dans l'histoire, pour commettre une action historique, il préférait à pas arrêter les gens, voir un petit vacabon à Guan, à Canel Kassi, à l'arrêter juge, marcher arrêter les gens. Jovenel Moïse, aujourd'hui, cesse d'être chef d'État au regard de la Constitution, des lois de la République. Et cet état de fait est constaté par le pouvoir judiciaire. Et bonjour Edgar là. Voilà pourquoi, au niveau de l'opposition, nous capables de dire consultation a fait et dans un avenir pas trop lointain, le nom de la personne qui remplacera Jovenel Moïse comme président provisoire sera connu dans un avenir pas trop lointain. Parce que pour nous, pour l'opposition, pour le peuple haïtien, pour le secteur démocratique et populaire qui a toujours combattu ce pouvoir, Jovenel Moïse aujourd'hui a son petit vacabon, son petit malandrin qui a fait des ordres dans le pays. Il cesse d'être président de la République et cet état de fait a été constaté par le pouvoir judiciaire dans sa résolution portant la date du 6 février 2021. Le secteur démocratique et populaire condamne l'arrestation d'un ensemble de citoyens, notamment le juge Ivikel d'Abrésil, juge à la Cour de cassation. Nous condamnons l'arrestation de Madame Gauthier. Nous condamnons l'arrestation de la commissaire, de l'inspectrice de police, Marie-Louise Gauthier. Tout comme nous condamnons l'arrestation du docteur Antoinette Gauthier. Nous condamnons l'arrestation de l'agronome Loulou Buteau, dit Louis Buteau. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous disons. Population doit continuer bataille. Continuer à occuper la rue dans tout pays. Continuer à occuper béton. Et m'a redit encore. Quand on est face à un chef d'État qui a choisi de violer la Constitution et qu'on y a un mandat fini, il décide de rester sous pouvoir. Pas président encore, son petit vagabond, son petit délinquant. N'importe qui a foutu calotte dans Jolly. Et à partir de ce moment, la population a gain droit. Mettez barricade dans la rue. Ou gain droit couper route. Ou gain droit faire manifestation spontanée. Il s'agit de défendre l'état de droit. Il s'agit de défendre la Constitution. Nous demandons à la population, au peuple haïtien, dans toutes ses composantes, de continuer à occuper le béton pour faire respecter la Constitution. Continuez, Kembe Larouya. Et nous m'en